Il faut faire 34 et quelques. Et le premier prenant est en 34-7. Le passage, là, voilà, on calme bien l'auto, hop, et c'est parti, ensuite, on se continue en 36, c'est pas mal du tout. Qui est Dubourg, Andrea. Ouais, 35-0, c'est bien. Ah, ça sent d'aller un peu plus vite, là. Un petit peu plus vite. Ouais, 36-4, là, il paye sa petite erreur, Thierry Joncou, là, de tout à l'heure. Voilà, bien calmé la voiture là, hop, et c'est parti. Deuxième passage de Baraque. De Franck Lagorce, c'est ce qu'il est en train de faire au lieutenant, mais il va avoir du mal, puisque derrière lui, ce diable de Pierre Lerac ne va pas le laisser faire, et à mon avis, des petites touchettes de Pierre Lerac à l'extérieur, ça lui parle au deuxième ou deux, et il est bloqué à l'intérieur de la parabolique, là, et il est tout... qui salue la foule telle un gladiateur sur son char, Romain. Regardez-les, et il applaudit, c'est-à-dire qu'il pilote avec les pieds, là. On lui avait dit d'ailleurs, Franck Lagorce, qu'il pilotait comme un pied, mais ça se voit. Et finalement, il est pas mal en marche avant, et tout à l'heure en marche arrière, c'était bien, mais en marche avant, il est pas mal. Franck Lagorce, deuxième. Ouais, mais il arrive à rattraper des choses impossibles, hein, lui. C'est l'équilibriste. Pour qu'il a corrigé ce trajectoire aussi. Donc, il prend laquelle? La bonne, la douceur. Trop tard là, mais c'est passé. J'ai cru qu'il faisait un coup. Le freinage de Grosjean, il tape de partout, il attaque. On vous l'avait dit, hein, il va tout essayer. Si ça passe, ça peut faire un traîneau terrible. Il essaye tout, Romain Grosjean, il a freiné au panneau trop tard et c'est passé. C'est beau. Ah, il se donne au maximum. Alors là, attention, 32-2. Il ne freine pas là-bas, il ne freine pas. Contre 6, on perd une demi-seconde, hein. Presque une seconde en un tour. Hop là, attention Grégoire. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. le premier tour est facile, voilà, ensuite c'est compliqué. On peut faire un peu de chrono, mais on a difficulté de tenir. À mon avis, le chrono, j'engage que moi en disant ça, mais le chrono de Dero dans la première manche va être quasiment impossible à rattraper. Il faudrait sortir en 31 de plus. C'est pas évident. C'est un peu là, la mission des pilotes qui veulent déloger Jean-Philippe Dero. Ils sont nombreux, évidemment. 34-1 de Moustier, voilà, il perd une seconde de tour. Il est cinquième, Joncou troisième. C'est bon, mais... Un moyen, il y a 4 dixièmes, ouais, 4 dixièmes au-dessus. Hein. C'est bien, mais ça n'ira pas de le jeu. On va couper le tour.
en premier chrono. 33-3. Moins bien. Loin derrière. Moins bien, donc. Loin derrière. Très tranquille pour le moment. ...33-4, voilà, bah... Et presque une seconde de... secondes, on fait évacuer en recul, les bordures de la piste. Ouais, ouais, parce que ça peut remuer beaucoup. Messieurs les journalistes, reporters d'image, reculez-vous, y compris les hommes de Saint-Éloque. Je sais qu'ils sont là pour la bonne cause, mais... Ouais, mais quand même, ça peut être dangereux, donc il faudrait sortir de la partie en herbe et se mettre sur le goudron, s'il vous plaît, pour éviter les problèmes. Comme ça, on va donner le départ de cette dernière finale de la journée sans aucun problème. Attention au démarrage, Jean-Philippe Desraux, Romain Grosjean. C'est parti. Énorme départ de Franck Lagarde. Oh, la course. Terrible. Franck Lagarde passe devant Romain Grosjean. Et les deux trios. Bon, de rester au contact, il revient à l'entrée de la parabolique. S'approcher de son champion. C'est vrai que ces points pris aujourd'hui par Jean-Philippe Desraux vont peser dans la balance et tout le monde le